Konnichiwa les Kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Bouclier et aujourd'hui ça va être une vidéo sur les starters, donc comment avoir les trois starters, donc le starter eau, le starter feu et le starter plante. Et bien c'est tout simple, il suffit d'avoir le Nintendo Online et pour faire des échanges. Donc là en fait je vous montre comment faire un échange, il suffit juste d'aller dans échange réseau, donc évidemment il faut être bien connecté à internet et vous faites échange avec un code si vous l'échangez avec un ami à vous, le mieux c'est ça, hein, c'est vraiment de l'échanger avec un ami à vous, comme ça vous êtes sûr de vous échanger ce dont vous avez besoin et en l'occurrence donc ce fameux starter qui vous manque. Donc là voilà, on m'a trouvé un partenaire, évidemment on s'était mis d'accord pour l'échange et vous allez voir en fait que c'est tout simple. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous explique pour les starters, pour comment avoir les trois starters. Mais les échanges, c'est très bien aussi pour si vous avez pas, si vous avez un ami qui a par exemple la version épée et vous êtes sur bouclier, bah, vous pouvez vous échanger également des Pokémon exclusifs sur chacune des versions, quoi. Donc c'est quand même vachement bien pour compléter son Pokédex. Donc là, on commence avec Gorythmic. Donc je vais changer un Evoli contre Gorythmic et donc comme je vous l'ai dit, ça va le valider dans votre Pokédex. Donc en vrai, vous n'aurez pas besoin, à moins que vous ayez envie de le faire évoluer, mais vous n'êtes pas obligé en fait de l'avoir maintenant. En fait, c'est rentré dans votre Pokédex, donc vous n'avez pas besoin de l'avoir physiquement, je veux dire, dans votre Pokédex. Donc voilà, les données de Gorythmic ont été ajoutées au Pokédex. Donc voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on va continuer les échanges. Parce que là, du coup, Gorythmic, c'est le starter plante. Et moi, il me faut aussi le starter eau. Donc vous allez voir, toujours pareil, la même procédure. En fait, vous pouvez continuer si c'est avec la même personne que vous faites l'échange. Bah, une fois que vous avez déjà commencé à échanger, vous pouvez le continuer avant de l'arrêter. Donc voilà, les Argus. Que je vais échanger encore contre un Evoli. Enfin, je vais lui rendre après. Allez, voilà, on a la petite animation pour l'échange de Pokémon. Et donc, les Argus, voilà, il est là. Et donc, ces données vont être envoyées au Pokédex. Du coup, ce qui est génial, c'est que moi déjà, ça me remplit de deux Pokémon en plus dans mon Pokédex. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et je vais vous montrer ce que je vais faire par la suite. Je vais partir donc dans la garderie de la route 5, de la route numéro 5. Et je vais en faire des œufs. Et comme ça, je vais pouvoir lui rendre. C'est super simple. Donc allez, on prend le taxi volant, on part sur la route 5, donc à la garderie. Cette garderie, je la trouve bien mieux que l'autre, parce que l'autre, il y a trop de Pokémon sauvages autour, et ils vous sont constamment en train de vous sauter dessus, c'est super galère pour faire des œufs. Donc voilà, donc moi j'ai déjà en fait un métamorphe qui est dans cette garderie-là, donc je le laisse, et donc je vais envoyer Gorythmic avec mon métamorphe. Et voilà, ça va faire un œuf. Et je vais l'avoir en fait en tout bébé. En version en fait Wistempo. Donc là, j'ai donné mes deux Pokémon. Et il faut rouler. Il faut faire du vélo, marcher. Il faut vraiment rouler. Et il me semble que c'est un petit aller-retour sur le pont. Et quand vous revenez, en fait, il faut attendre que la dame en fait de la garderie se tienne la tête. Vous allez voir, hein, elle va se tenir la tête et ça veut dire que l'œuf est là. Vous allez voir, on va arriver, on va accélérer un petit peu le vélo. Et regardez, elle va se tenir la tête. Voilà, elle se tient la tête. Hop, et voilà, je peux récupérer mon œuf.
Donc évidemment, l'œuf, on va l'inclure à l'équipe pour qu'il puisse éclore. Si vous le mettez dans votre boîte PC, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, on va faire l'échange. Et donc il rejoint l'équipe et comme ça, il va pouvoir éclore. D'ailleurs, si vous voulez que vos œufs éclosent plus vite, il y a une technique, c'est de mettre en fait un Pokémon tout en haut de la liste qui est comme capacité corps ardent et ça va accélérer en fait le processus d'éclosion. Donc voilà, j'ai un œuf qui va éclore et ben, c'est l'œuf de Corythmique et de mon métamorphe. Et donc vous allez voir comment j'ai obtenu donc un deuxième starter. Et voilà, donc je récupère Whistempo, qui est donc le starter plante, et le starter eau, pardon, désolé. Donc voilà, Whistempo a été ajouté, donc ces données ont été ajoutées au Pokédex, et voilà, c'est top. Donc vous voyez, c'est tout, c'est très très simple, hein. Il suffit juste d'avoir un ami qui puisse vous faire les échanges. Allez, je vais récupérer donc Gorythmique, je laisse évidemment mon métamorphe. Et cette fois, eh bien, on va le ranger dans la boîte PC. Et évidemment, je donne mon Lézargus. Allez, voilà, je lui redonne un Pokémon. Il est là, Lézargus. Et voilà, donc je vais partir encore comme tout à l'heure, rouler avec mon petit vélo et en attendant qu'elle se tienne la tête et du coup ça voudra dire que je vais récupérer mon œuf. Et là, ce que je voulais vous dire également, c'est que je vous montre le processus comme ça, mais sachant que vous pouvez également vous échanger un œuf. Donc si vous avez un ami qui fait des œufs des starters, vous pouvez très bien lui demander. Hein. Après, il y a également aussi les échanges réseau sans code. Mais alors là, du coup, c'est plus long, quoi, et puis il faut être sûr de la personne avec qui vous échangez. Vous avez les échanges magiques. Les échanges magiques, vous savez pas ce que vous allez recevoir, c'est du pur hasard. C'est un échange qui se fait dans le monde entier, et vous savez pas du tout ce que vous allez avoir, quoi. Donc là, voilà, elle se tient la tête, je vais pouvoir récupérer mon œuf. Donc voilà, je récupère mon œuf. Évidemment, comme tout à l'heure, on l'inclut dans l'équipe pour qu'il puisse éclore. Et on va partir, comme tout à l'heure, rouler. Rouler en attendant qu'il puisse éclore. Donc oui, il y a également, comme je vous disais, les échanges magiques. Mais ouais, les échanges magiques, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Enfin voilà, il faut vraiment essayer d'avoir... Et je vous montrerai, en fait, à la fin de la vidéo, comment, en fait, s'abonner pour avoir le online. C'est tout simple. Et franchement, ça coûte pas très cher. Vous avez des tout petits forfaits sur un mois, juste le temps en fait tout simplement de faire vos échanges, et comme ça au moins vous avez cette possibilité, parce que avec tous les Pokémon qui sont exclusifs à chaque version, donc à la version épée et à la version bouclier, si vous ne faites pas d'échange, c'est compliqué, hein, de compléter le Pokédex et tous les avoir, franchement. Je pense qu'à mon avis, ça doit mettre énormément de temps à le compléter. Hein. À moins que vous ayez d'autres techniques, alors là, franchement, je serais curieuse de savoir. Allez, mon œuf est en train d'éclore. Et donc voilà, je récupère donc le troisième starter, le starter eau, qui est l'Arméléon. Qui est tout mignon. Il ressemble pas du tout à comment il va devenir après le Lézargus. C'est absolument deux Pokémon complètement différents. Allez, on va les regarder un petit peu maintenant dans mon Pokédex. Donc vous voyez, je suis à 296 capturés. Donc j'espère vite et je vous montrerai l'avancée. Hein. Donc on a Whistempo, qui a été rajouté donc à mon Pokédex. Donc Badabouin, il va falloir que ce que je vais faire, c'est que je vais faire évoluer Whistempo tout simplement. Et Gorythmique, regardez, il y a la petite boule. Donc en fait, c'est bon, il est dans mon Pokédex. Flambino, évidemment, la Pyro et Pyrobut, qui étaient en fait le starter que j'avais choisi. Et donc l'Arméléon,
Et les Argus, et il va falloir que je fasse évoluer l'armée Léon pour pouvoir avoir la transition entre l'armée Léon et les Argus. Et bien voilà pour comment obtenir les trois starters, comment avoir les trois starters sur Pokémon Bouclier. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, il faut aller donc dans le Nintendo Switch Online. Il faut descendre. Voilà, vous allez sur Nintendo Switch Online. Je monte un peu trop haut. Juste ici. Et donc, vous avez formule d'abonnement. C'est tout simple. Et donc voilà, donc vous avez les abonnements individuels et les abonnements familiales. Bon voilà, je vous donne les prix les plus bas pour un mois, donc pour 3,99€, vous avez le online pendant un mois. Et pour 3 mois, c'est 7,99€. Et pour 12 mois, c'est 19,99€. Franchement, si c'est juste pour faire quelques petits échanges et que vous savez avec qui les échanger, le petit forfait à 3,99€, pour moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour récupérer donc les Pokémon que vous n'avez pas dans votre version. Sachez que pour le online, hormis les échanges, vous avez plein d'autres choses. Les raids Dynamax avec de vraies personnes online, les combats, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout le pass d'extension qui arrive très prochainement. Et évidemment qu'on aura des Pokémon exclusifs encore sur chaque version. Donc on aura encore besoin de faire des échanges. Donc pour moi, en fait, le online, il est vraiment indispensable. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ma vidéo pourra aider toutes les personnes qui cherchent à avoir les trois starters. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et mettez-moi un maximum de pouces bleus. Des bisous les kibichis.